un vrai bon. Mais les pompes, elles sont déjà allumées. En fait, les pompes sont déjà allumées. On arme ici les signs d'exit, le no smoking toujours on. On passe en limite. Donc, 8 minutes de temps d'alignement des IES. Voilà, ici le fuel board, le Citan, effectivement. Que dit la checklist ? Engine mode selector normal, landing down, wiper selection off, battery check auto, on est 28-28, on est bon, l'APU fire, checklist, ouais, ça, c'est bon, when APU available, air condition and payment est 7, c'est bon, les PAX. External power as required. Donc là maintenant j'en ai plus besoin. Vu que j'ai allumé la PU et qu'on est sur les batteries. Cockpit lights as required. Donc là on est OK. E-cam recorder. Pour moi, pressurisation, les dorses sont fermées, les huiles, température, disque, tout ça c'est bon, ça on verra après, hydraulique, il n'y a pas parce que c'est pas allumé, électrique. On est bon. Oil quantity. Oil quantity. Speed brake level check retracted and disarmed. Je crois, ouais. Je regardais avec la checklist, ouais. Ouais. Une QRH, ouais, comme ça, je sais pas. T'as lancé l'APU, parfait. J'ai lancé l'APU, je viens de couper l'external power. Ok, donc je vais te débrancher, comme ça on n'oublie pas et on n'arrache pas le fil. Voilà. par contre, ici au niveau oil quantity, donc ICAM, oxygène, pression, etc. Donc ça, ouais, j'ai vérifié, c'est là-dedans, la pression, voilà. Etc. Donc, il n'y a pas besoin de vérifier plus que ça. C'était le oil quantity. C'est dans engine. Dans engine. Tac, oil quantity. On a l'oil quantity 20. Et la 20, elle est verte. C'est vert, ouais, donc c'est bon quoi. C'est ça. Les flaps check, le speed brake, le parking brake, il est 7 on. L'AcuBrake expression. Elle est là. C'est là, ouais. Donc il faut bien vérifier que. Ouais, voilà, c'est ça que je cherche. À 3. Ouais, sinon, on est bien à 3. Tu l'as aussi au niveau des wheels, je crois. Des wheels. Ouais, t'as du 3 là. Ouais, je sais pas si c'est ça. Ah non, c'est 1, 2, 3, 4. Non, c'est pas ça. AQ only, auto. Non, bah ça doit être, ça doit être là. Ouais, c'est là. OEB in QRH. C'est quoi ça? Où ça? OEB in QRH. Je vais pas t'aider. Celui-là, je vois pas. EMR, EQPT. Emergency equipment. Emergency equipment, ouais, bon, ça c'est les trucs de côté, d'accord. Je te laisse continuer. CB panels, gear pins, fan, cool flax. Ouais, ça on l'a vu, c'est bon.
Aircraft Library, ouais, si on a tous les bouquins, c'est bon. On est bon. Ah, écoute, à peu près. Alors, t'en es où ? Écoute, c'est bon, pour moi c'est bon. Ok, t'as configuré un peu le non. FMS ou pas du tout ? Non, tu l'as non. déjà fait ? Ah, tu dis si je l'ai déjà fait, je l'ai fait ouais, quelques fois. Ouais. Ben, après, il n'y a pas. Évidemment. On va le faire ensemble. Là, j'étais ouais. imprimé les cartes ouais. De Innsbruck, le mm-hmm. départ d'Innsbruck, l'arrivée sur Genève et la finale sur Genève et l'aéroport de Genève. T'as tout. Parfait. Tiens. Ok. C'est bon. Maintenant. Okay. Par ordre chronologique, c'est là. On y va. Donc le plan de vol, donc LOWI, donc je le fais tout. Hop. Donc LOWI slash LSGZ, celui-là je le connais par cœur. Ouais. SGG. On envoie return flight number, qu'est-ce qu'on met on SWI, j'en sais rien, enfin je sais pas. Air France 2245 ou un truc comme ça. Air France. C'est AF du coup. AF, ok. Ouais. J'ai dit au hasard. Hein. Ouais. Du coup ça va être ton indicatif à la radio. D'accord. Le cost index, qu'est-ce qu'on met là, pour le vol d'aujourd'hui, on va dire. Ça, c'est toujours, ça dépend des compagnies, ouais, etc. Ça dépend des compagnies en fonction du. Je sais jamais, du baril, ça, effectivement. Le cruise, monter, la monte. On va monter au niveau 250. 250, pas plus ouais, haut. Pas plus haut. Ok. Ça suffit. Après, je sais pas ce qu'ils recommandent au niveau de la performance, on peut peut-être suivre ce qu'il dit. Hein. Ouais. Climb, cruise. Manage, non. Ouais, mais il dit pas encore notre. Ouais, parce qu'il lui faut le fuel et tout ouais, ça. Je pense qu'il lui faut, fuel, il lui faut le zero fuel ouais. weight et tout ça. Donc et je te laisse finir ta page. Puis on va voir. J'en étais où là. On va aligner les IRS. Ouais, voilà. Super. Ça, on va enlever le. Comment on enlève le. Je l'ai enlevé là. Mais il suffirait qu'on rafraîchisse un petit peu. Ok. Terrain on ND, je l'ai enlevé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a la page d'après ? Voilà, ça. Alors, le bloc, le fuel, c'est 6 tonnes. On ouais. avait vu qu'on était donc 6 tonnes. Au final, je mets... Où je mets. Non ? Si, on va pouvoir rentrer tout ça. On les a là. Fuel weight, tout en bas à droite. Zéro fuel weight, on est à zero fuel weight. 55 062 kg. Donc, on est à 55 tonnes. 55.1. Alors, et je dois mettre slash. Fuel weight CG. Ouais. On est à 30,6. 30,6.
Ça, c'est vrai qu'il y a des logiciels pour calculer ça, ouais. Enfin, selon la courbe, les machins. Après, bon, il y a différentes choses. Donc là, la tonne, je mets 6.0 ou je mets. 6.0 ou 6 tout court, peut-être qu'il va te le prendre. 6, je sais pas, on va voir. Ouais, c'est bon. Voilà. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Bah, la route, hein. Ouais. Enfin, V1, V2, enfin, le QNH, etc., etc. Il y avait. Tu veux les conditions météo réelles de. On va voir ce que ça donne. Ouais, je sais pas, juste qu'on sait le QNH. Bon, là, si on est bon, on est bon. Hein. Attends, si on a de la belle météo. Innsbruck. Si on peut laisser en 2013. Hein, recharge. Bon, je vais te mettre une météo à la source. Mettre une pression atmosphérique à 1016. 1016. Ouais. Il fait beau là. Ouais. Et un petit peu. On vend du 280 pour 7,9. Ouais, tranquille. Tranquille. Ouais. C'est juste pour justifier quelle piste je vais te faire. Ouais, prendre. Voilà. qu'est-ce que je rentre maintenant dans 1016, tu l'as mis de ton côté, je le mets du ouais, 1016. On va le mettre ici au. Il a mis. Là, il est 1013. Normalement, il. Ouais. Bon, voilà. Mais il est pas. Il restera 1013. Il est pas. Tant pis. Maintenant. Donc, tu as fini avec le. Ah oui. Donc, tu veux la take-off. On va les calculer là pour. Ouais. Next phase. Pour Innsbruck. Alors, pour ça, on a un petit logiciel là, qui est juste là. Ouais. Aircraft type. Donc, A300. Climb, cruise. La longueur de la piste. En mètres sur Innsbruck, tu pourrais me la dire 6500. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, combien ça fait en mètres 6500. 2000 mètres. Alors, on va mettre 2200, parfait. Airport Elle Elevation. Airport Elevation. On est en Innsbruck, je crois. 1907. 1907. Donc, c'est écrit ça. Entre 1000 et 2000, ok. Wind Component. On va avoir du vent de face pour 7 nœuds à peu près, 6 nœuds. Mm-hmm. Je vais mettre là. Outsider temperature, il fait beau, 15 degrés, j'ai pas changé. Le QNH à 1016. Take off weight. On va l'avoir dans la page init sur la droite là. Zero fuel rate. Je ne le mets pas là normalement, c'est ça qui est censé. Sinon, je l'ai là. Sur la page de l'instructeur. Tac, je coupe ça. Gross weight, 61 tonnes. Rien que ça. Ouais, c'est take off weight, il est là, il est ici, 60,9, tu vois. 61 tonnes. Ah bah voilà. On l'a là. 60,9 le take off weight. Super. Donc du coup, je vais le rentrer. Je sais pas si je dois le rentrer en kilo ou. Flap setting, on va décoller flap one. Aircraft MCI, il fait 15 degrés dehors, il fait beau, on va pas mettre du dégivrage. Non. Runway condition, bah, il fait beau, elle va être sèche. Calculer le take-off. Voilà. Ok, on a les valeurs. Perf. Voilà, en perf. V2. Pour le. Voilà, V1. Tu as 124. 124, ouais, c'est court. Ouais. Ah ouais, la piste est courte, donc forcément. VR à 135. Et après, je sais pas ce que t'as mis comme passager. Comme 137. Et passager, l'avion plein. 137. L'avion est plein. Ok. Au niveau du flex, on est à flex 50. 50, ouais, alors ça, c'est aussi. Ton collègue m'avait expliqué. Ouais. Alors en fait, tu vois ce que c'est le flex? C'est la capacité de l'avion à gérer la puissance moteur par rapport aux différents paramètres qu'il a de poids, de longueur de piste et tout, etc. C'est s'il va mettre la patate ou pas, quoi. En gros, C'est ça. Pour économiser du carburant et pour économiser les cycles de maintenance, on fait croire à l'avion qu'il fait plus chaud que la température extérieure. Ok, ouais. Ça a pour effet que l'avion va pas aller chercher sa vitesse maximale, enfin pas sa vitesse maximale, mais son régime moteur maximal. Il va prendre un petit peu en dessous parce qu'il va penser qu'il fait trop chaud, donc pour pas surchauffer les moteurs. Ouais, d'accord. Donc c'est ça. Donc du coup ça nous permet de décoller à une poussée réduite, mais tout en assurant la sécurité au décollage. Mm-hmm.
Ok. Mm-hmm. Et ici, on doit régler les flaps et puis le. Ouais. Le THS. Flaps, on va juste mettre 1 et le THS, on n'a pas besoin. Donc, 1. Et puis tu l'enclenches directement. Je l'enclenche comme ça? Ouais, on te le prend là sur flaps. Et voilà. Ok. Ah, on met pas le. Non. On pourrait le mettre à. Ça, il nous le dit aussi selon les courbes là. Normalement, ouais, il le donne. On pourrait le dire, mais est-ce qu'on pourrait le voir là-dessus? C'est en fonction du centre de gravité. Ouais, exactement. Ouais. C'est peut-être marqué sur les checklists. Mais de mémoire, c'est 0,7 appliqué. Non, mais ça dépend justement de comment on charge, du nombre de passagers, du kéro, du. Ça peut changer, on peut être en up, en down. Ouais, je ne saurais pas plus le voir. Généralement. Moi, je le mets off et dès que tu as quitté le sol, de toute façon, les trucs calibre en live. Très bien. Voilà. On y va comme ça. Ok. La route, tu l'as rentrée? Non. Ok. Alors, comment on fait ça déjà? Donc, flight plan. Ouais. Ok, donc on va au départ de Genève. Non, je suis dans l'autre sens, j'ai toujours l'habitude de partir de Genève. Ouais. Départure, donc nous, c'est la piste 26 en service. On part sur la 26, ensuite qu'est-ce qu'on a comme. Alors je t'ai pris un départ. Tu me mets les cartes bien, comme ça. Bien sympa. Tu me mets les cartes comme ça à froid. Ouais. Moi je suis. Donc on a dit sur la 08. Non, la 26. La 26, pardon. Donc face à l'ouest. Face à l'ouest. Et puis qu'est-ce qu'on a? Adilo? Ouais, c'est ça. C'est ou, alors ou regarde, Breno. Je vais te la décrire la carte. Vas-y, volontiers. Parce qu'elle est forcément, elle est pas forcément. Un peu de. Ouais. Donc décollage face à l'ouest. Ouais. On maintient l'axe de piste jusqu'à 1.2 DME de Oscar Eco Victor, qui est en fait le DME. À l'atterrissage en piste 26. D'accord. Donc, DME, c'est Distance Measuring Equipment. Tu vois ce que c'est? Ouais, okay. À peu près. Ouais. Ensuite, on va virer à droite au cap 272. Mm-hmm. Et puis à 3.3 Oscar Eco Victor, on vire à gauche pour aller rejoindre un localizer qui mène. On vire d'abord à droite puis ensuite à gauche? Ouais. Ok. En fait, c'est pour nous permettre de nous maintenir un rayon de vitesse, un rayon de virage confortable avec les montagnes. D'accord. Donc, tu vois, et là, les flèches, là, tu vois ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut le faire à vue. Ah d'accord, je savais pas. Okay. Par contre, dès là, dès qu'on a rejoint ce localizer, le 0,66, ouais. En course 0,66, ouais. Et ben, on le suit jusqu'à verticale du localizer. Ensuite, on vire à droite pour rejoindre une autre balise qui s'appelle India Novembre-Novembre. Et depuis India Novembre-Novembre, cap 288 sur du. Ah ouais, c'est. Ah ouais, c'est. C'est une. Ça a piqué un peu. C'est du joli. C'est du joli. Donc ce qu'il faudrait faire du coup, dans l'onglet, on va finir la route. Après, ouais, on la route. Donc, on a dit Adilo. Donc ça, je fais défiler comme ça, c'est, je sais jamais final, si c'est. Il n'y est pas. Il n'y est pas. C'est normal, parce que ça, c'est un truc tellement. C'est pas fait pour les A320. Ça. D'accord. Donc on va bien s'amuser. Donc à ce moment-là, tu mets no SID. Je mets no seed, où ouais. Ça? Donc à ce moment-là, tu le fais défiler jusqu'à ce qu'il y ait no seed. No seed, ah ok, d'accord. Parce qu'il me semblait qu'on peut aussi la rentrer, je sais plus comment. Voilà. J'ai appuyé. Donc là, tu l'as appuyé, mais j'ai appuyé. Tu confirmes en appuyant sur insert. Insert, d'accord. Et ensuite. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je suis pas certain, mais si tu cliques là-dessus. Non, tu peux pas rentrer de code. Parce que pour rentrer Adilo, je sais pas trop comment on va faire. C'est pas grave, on va rentrer la suite. Donc l'arrivée à l'SGG. Et puis au pire, on fera un direct sur Adilo une fois passé ce point-là. On rentrera direct le waypoint et on fera un direct dessus. D'accord. Okay. Ok. Donc l'arrivée à Genève, regarde ce que je t'ai pris un petit peu comme arrivée. Elles sont juste là. Tac. Donc à Genève, ça va être la 04 en service. Ok. Très bien, donc la 04 en service, donc on arrive sur Akito. Voilà. On va devoir venir ici, tout ça, par là, et puis venir ici, sur une 10, voilà. À 7000, et puis virage gauche. Quoi. Voilà, virage gauche, ouais. Final sur, sur bon. La 04, qui est juste derrière. D'accord, très bien, ok. Donc, LSGG, donc arrival sur l'ILS 04, non, elle était là. Voilà. Sur l'ILS 04, via, via du
Ah non, excuse-moi, autant pour moi, reviens en arrière, oui. on est déjà sur la page star, donc ouais. Il faut la mettre. Donc, Akit, oh, donc là il y en a plusieurs, c'est vrai que. Non, il y a que celle-là, c'est bon. Non, Akit, ouais. 1N. Mais où est-ce qu'on voit que c'est marqué Akit 1 November ? 1 November, ouais, elle est là, ouais. Sinon, de l'autre côté, ça aurait été Akito 2 Romeo. D'accord, donc c'est bien okay. Celle-là. Donc je l'ai mis à 1 November. Okay. 1 November. Insert. Insert. Et voilà. Bon, je t'ai pas mis de point entre Adilo et Akito. On d'accord. Fera un direct. Ok. Où je jouerai au contrôleur un peu chiant qui te demandera des caps et des altitudes histoire de te faire manipuler le pilote bon. Automatique. Ouais, mais faut que ça réponde. Hein. Ok. Bon, bah on va faire ça comme ça. Ouais. Très bien. Là, on n'enlève pas le discontinuity. Parce que là, en fait, si on regarde. Ouais, on peut enlever la discontinuité. Mais sachant qu'il ne faudra pas suivre le flight director, ouais. Lui, on va piloter à la main. D'accord. Ok, bon, alors là, c'est comme tu. Donc, non, c'est toi qui vois. Non, moi, c'est. Je sais pas. On peut faire avec, on peut faire sans, il n'y a pas de souci. Moi je l'aurais laissé enlever. Parce que sinon il t'aurait fait un direct, t'aurais été tenté de mettre le cap sur Adino et de te payer la montagne ouais. Environ. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors que là, si on fait un truc à vue, on va voir comment je gère ça yes. Manuellement à vue. Yes, yes. Très bien. Ok, bon. Oui, autre chose du coup. Histoire d'éviter à le refaire plus tard, on peut déjà rentrer les différentes balises radionaves dans l'onglet rapport. Ah ouais, ça je fais jamais ça. Voilà, on va le faire. Parce ça, que c'est normal, tu le fais jamais parce je que normalement le, c'est ouais. Le pilote automate, enfin c'est le, ouais. L'avion qui sait quelle fréquence utiliser à quel moment. Là, on va demander des caps, des routes, des axes d'ILS, etc. un peu particuliers. Donc déjà dans un premier temps, au départ, on décolle et il nous faut une distance par rapport à un lock DME qui s'appelle Oscar Echo Victor. Mm-hmm. En fait, il va falloir utiliser l'ILS Oscar Echo Victor. Il est déjà rentré, mm-hmm. Mais rien ne nous garantit que l'avion ne le fasse pas sauter une fois qu'on est en vol. Mm-hmm. Donc il faut le forcer. Donc, pour faire ça, tu rentres soit la fréquence, soit l'identification. D'accord. Et tu appuies là-dessus. Ok. Ok. Donc soit l'un, soit l'autre. Donc ouais. On va prendre Oscar Echo Victor, c'est plus court. Super, tu l'insères. Et je l'insère. Voilà. Et là, il est passé en gras. D'accord. Pour te dire qu'il est forcé. Il est forcé, très bien. À l'arrivée à Genève. Faudra pas oublier de l'enlever. Parce que sinon il va chercher cet ILS qui n'existe pas à ouais. Genève. Ok, très bien. Ok. Je comprends, ouais, ça c'est vrai que c'est nouveau pour moi, je connais. On départ, machin. Et puis virage à gauche. Les arcs DME, tout ça, moi je suis pas à l'aise du tout avec ça. On verra, tu on me diras. On va pas faire d'arc DME là, mais on va intercepter des trucs un peu particuliers. Ouais. Tu vas voir. Ouais, ok. Ensuite, virage à gauche, on va intercepter le 066 du localizer qui s'appelle Oscar Echo Juliette. Ouais. Sauf que nous, on l'utilise déjà pour ça. Ouais. Donc pendant le vol, ouais. Tu me demanderas, ouais. Le copilote il sert à ça, tu me demanderas la fréquence de Oscar Echo Juliette, je te la rentrerai et ce sera d'accord. L'axe de l'ILS à suivre, enfin l'axe du localizer à suivre. Ok. Okay. Il faudra aussi rentrer Romeo Uniforme Mike, parce que quand tu vas être très très proche de la balise, bah, les indications, ouais, ça va être balinguer, n'importe quoi. Quoi. Donc il faut conserver le 066 avec cette balise là qui est un NDB. Ensuite, en fait à la fin. À la fin, on recevra de moins en moins le localizer parce qu'on est en train de passer au-dessus. Ouais. Pour maintenir l'axe, eh ben, on va utiliser cette balise là. Ouais. En fait un NDB, c'est une balise au sol qui émet dans toutes les directions. D'accord. Et nous on a notre avion qui nous met une flèche. Ouais. Ouais. Parce qu'on a soit la radiale, soit le. Quand on s'éloigne ouais, justement. C'est le QDM. Ouais. On ok. Radial quand on s'éloigne, QDM quand on se rapproche, c'est ça. Mm. Ensuite, une fois vertical, Oscar Echo Juliette. En fait, quand on va lire sur le DME notre hauteur, parce que ce sera assez proche de 1, on va virer à droite, mais attention, c'est un virage avec maximum 165 nœuds, minimum bank angle 25 degrees. Sinon, on se paye les montagnes. Donc il faut y aller quoi. Donc il faut y aller. 30. Non, c'est 45 là. 30 ouais, c'est là. 30 c'est là. Donc on va prendre d'accord. 30 degrés, histoire d'avoir une on marge de 5, minutes, de 5 degrés. Et voilà. Ensuite, direct sur India Novembre-Novembre, qui est un autre ADF. Ouais. Et depuis India Novembre-Novembre, direct sur Adilo. Donc, okay. Nous, ce qu'on pourrait rentrer en ADF numéro 1, on pourrait rentrer Romeo Uniforme Mike, qui est juste là.
D'accord, ah ouais, ADF numéro 1. Ouais, comme ça on Roméo uniforme Mike. Roméo uniforme Mike. J'ai mis Oscar là. Pardon, ouais. Tant pour moi. Uniforme Mike. Oh là, tac. Mike. Voilà, tu viens de rentrer ici. Super. D'accord. Et sur l'ADF 2, on va mettre le deuxième qui s'appelle India November. November. Il est D'accord. déjà dedans, mais il faut ça, le forcer. Bien, ça va être avec les j'utilise jamais ça. Exactement. Bon, on va l'utiliser. Je sais jamais comment on fait ça. Ok, pardon. Donc c'est India November November. Tu le confirmes là-dedans. India November November. Et je le force ici. 7. Et voilà. ADF 2. Les VOR, on va pas les utiliser. Il n'y en a pas pour la procédure. D'accord. Donc on va les laisser gérer automatiquement. Au niveau, on va basculer au niveau des ADF. Voilà, il faut tirer le basculer à gauche ou à droite. Okay. Mais pour l'instant, on fait ça à vue, donc on n'a pas besoin de s'encombrer avec des. Ouais, c'était juste pour savoir si. Il faut tirer. Okay. Faut tirer. Ok. Donc moi, j'enlève le landing system de mon côté, tu l'enlèves de ton côté. Je demande le pushback. Enfin, tu demandes le pushback. Pendant ce temps-là, pendant le pushback, tu peux mettre en route les moteurs. Ok, Innsbruck, je sais plus comment on fait ça, moi je sais pas comment on fait ça, je fais pas de radio, mais on va Innsbruck seul, Innsbruck tour, ou seul, non, ou tour, ou Innsbruck seul, bonjour, Foxtrot Tango Juliette pour un pushback et une mise en route moteur. Foxtrot Tango Juliette approuvé, le pushback est en route. J'imagine qu'il commence à nous repousser. Très bien. Il faut bien vérifier qu'on est en parking brake sur off si on veut rouler. Parking brake sur off, ouais, c'est juste. Ouais. Ici, le l'anti-skid aussi, il nous fait le pushback. Super. Et puis là, on voit là. Bon, c'est vrai qu'avant, les pompes, elles étaient déjà aussi toutes allumées, donc c'est bon. Hein. Ouais, c'est bon. Maintenant, on va envoyer le bleed. Moteur de on, engine to on. Tant qu'il se stabilise. Je pense, non? Ouais. Bon, c'est dès que la température j'étais la redescend. Voilà. À peu près, voilà. Engine 2 stabilized. Engine 1 on. Tu roules jusqu'au point d'attente, piste 26. Moi, je vais me chercher un petit coup d'eau là. Ok, je roule. Ce matin que je suis sur le simu, j'ai pas encore vu. Ouais, non, il faut boire. Ouais. C'est là à gauche, hein. Alors, on est où là? Je t'ai donné la carte de l'aéroport normalement. Mais on est orienté 08. Oui, ça me semble être dans le bon sens. Hein. Ouais, mais c'est là en fait. Hein. Mmh.
On est déjà au bout, ouais. Parce que moi, je me demandais si on allait plus loin, mais en fait, non. Regarde ta carte, sinon. C'est celle-là. Quoi, là. C'est celle-là, ouais. Tu vois, nous, on était garés. On était garés par là, ouais. Au niveau de la tour. Donc, ouais, on a accès à rentrer, quoi. Et là, on a le taxiway Bravo. Bravo, ouais. Donc, il faudra remonter la piste. Ah, okay. T'as une petite raquette pour très faire un tour. Très bien, ok. Ça marche. Compris. On doit mettre les feux lorsqu'on rentre sur la piste déjà ou pas? Normalement. On peut les mettre avant, sur le point d'attente. C'est-à-dire à partir du moment où on rentre, hein, c'est pas qu'on est aligné pour décollage. Hein. Non, non, c'est à partir du moment où on rentre. Le but étant de se rendre visible aux autres. Ouais, exactement. Bon. Pas de trafic? Tu m'as pas collé de trafic parce que là je vois. Non, non, promis. La panne, on l'a déjà faite. Je considère que c'est bon. Si la raquette est simulée sur le... Ah si, elle est simulée. Ouais, c'est chaud là. C'est... Je dirais même jusqu'à dire qu'il faut faire un démarrage sur les freins. Ouais. Ça marche. À plus, Nico. Bonne soirée. Salut. Tu me laisses les clés? Bonne soirée. Je suis pas très bien aligné, mais... On est en train de... On a perdu 3 mètres, là. Ouais, ouais, oh, c'est là, vrai. Ouais, c'est vrai. Ça va jouer, là. Ça va jouer, là. Ça va, c'est vrai. Alors, on vérifie... Take off config, donc l'auto break sur max, surtout ici, c'est sûr. Bah ouais, hein. Je vais juste m'avancer un petit peu plus. Voilà, je suis mieux comme ça. On est bon comme ça. Tac. Là, on fera un toga ou... On va faire un toga. Enfin, l'avion nous a calculé MCT, mais après, c'est la décision du commandant de bord. Alors, on est autorisé par le contrôle à monter. On a monté jusqu'à 12 000 pieds en suivant la trajectoire qui nous est indiquée. Là, je cède les 12 000 déjà. Ouais. C'est pas l'altitude de transition. C'est le contrôle qui décide en fait. Et c'est on. Là, l'altitude de transition, on est en région montagneuse. Donc, ouais, on reste un freinage très, 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 très haut en fait. Ouais. Et ce sera une fois qu'on sera à 10 lots qui vont nous cliquer. Très bien. Voilà, ça va être chaud. Alors. Je vais mettre ça en. Je te laisse la carte du coup, t'en auras sans doute plus besoin que moi. Donc là, ouais. Donc, décollage dans l'axe. Ouais. Une fois qu'on est à 1.2 de Echo, de Oscar Echo Victor. Et ça, je le vois. Et on le voit où, à ton avis? Bah, on l'a rentré dans l'ILS. Ouais. Mais là, on le voit. Ça, c'est les prochains points qu'on va prendre, en fait. Ouais. Donc c'est soit on le voit ici au niveau de l'ADF, là il y a des indications là, ou... L'ADF il va pas te donner une indication de distance. Non. Il y a que ça qui me donne une indication de distance pour moi. Ouais, mais c'est par rapport au prochain point. Au prochain point, exactement. Et le prochain point il s'arrête là, à 3394. Ouais, c'est ça. Non, tout simplement, on l'a rentré dans l'ILS, donc tu m'actives l'ILS. Ah, j'active l'ILS. Et regarde, c'est marqué en bas à gauche. Oscar Echo Victor, là il est juste derrière nous en bout de piste, en bout de piste 0. D'accord, et là dès qu'on est à 1.2, tu vires à droite, cap 272. Attends, tu le vois, ouais, 272, ok, là à droite, cap 272, ensuite, ok. Tu continues à monter à 200. À 3002. Voilà, à 3002,